Ah ouais. Et ça, c'est mon chien de rêve, quoi. C'est magnifique, ça a un poil gris, long. Oh. Ouais, poil long. Non, le lévrier afghan, lui, il est à poil long aussi, hein. Oui, il y en a plus, ouais. Je crois qu'il y en a deux ou trois qui sont poil longs, mais c'est magnifique comme bête. Ça doit être plus joli parce que du coup On ça n'a colle pas mieux aussi réinvité. quoi. Si, je l'ai invité en plus, Rusty. Bah, il était dans le groupe pourtant, ouais. Bah oui. J'avais vu se placer dans le groupe tout à l'heure. Passe-placide. Passe-placide, le nom de Splashy avec le nom de Splashy. Spiro, voilà. Spiro, oui, c'est Spiro, je dis Merde, Spiro. Téléphone. Ah, bizarre ça. Ouais. Ah, c'est nous, ça les a même pas mis à sa adresse à pied qu'une fois en plus. Bah oui. Donc c'est même pas quelqu'un qui a Ouais. refusé, quoi. Donc on aurait pas vu, quoi. C'est bizarre. Faut que ce soit toi qui invite. Bye. Comme ça, on est sûr. Comme le pote qui a un dog argentin, c'est marrant ça. Oh, les dogs argentins, ça j'aime bien, quoi. Moi, c'est leur caractère qui m'ont freiné. Ça passe ou Moi, ça casse. j'en ai connu que des qui passent, quoi. Du coup, c'est vrai que je ne serais pas me fier là-dessus. Bah, moi, en fait, moi, j'ai un enfant hyper actif. Et des fois, c'est Tout le temps à aller déconseillé. faire chier les animaux, tout le temps Voilà. en train d'aller les coller. Là, je connais, j'ai ça. Moi, j'ai un chat castré. Ouais, pour faire comprendre. Ah bon, ça c'est bien. Non, ça m'a Ah un ouais peu mais c'est freiné. manger sur ma fille. C'est vrai? Ah ouais mais il y a un coup mais il se mange quand elle fait rien. Ah, quand elle fait rien en plus. Ça dit que Ça y le est, les mâles chat. petits quand les posent à rien faire. Ouais, bah elle l'embête pas. Ouais. Eh, ça dit que ton genre quand même. Ouais, il y a déjà Moi mordu j'ai la joue, une action qui va le il même lui a genre, moi ça mordu la tête aussi. Oh Il lui met putain. des coups de patte quand elle parle. Un coup de Tu vois, moi papier. c'était au début qu'on avait le chat, en fait, chez lui déjà. Enfin, lui c'est chez un papy. Le papy avait le chat, le papy avait décédé, la fille pouvait pas récupérer le chat parce qu'elle avait des chats qui s'entendaient pas avec celui-là. Du coup, moi qui ai un chien, j'ai dit à ma femme qu'on est un peu anti-SPA, ouais, si tu veux, on essaye de le récupérer, mais si ça va pas, il n'y aura pas le choix. Mais au moins, au pire, on récupère le chat, moi le chien, ça passe à peu près, tout va bien, c'est correct. Laisse-moi de passe, tranquille, nickel, le chat adorable, tu veux tout ce que tu veux. Et puis un jour, le chat était avec ma femme. Je lui fais des trucs avec, tu vois, juste pour m'emmerder. Donc du coup, elle bouge un peu dans tous les sens. Le chat, il est venu, le chat, il est attaqué, elle essaie de mordre. Ah ouais! Vraiment méchamment et violemment. Ah ouais, ça a laissé des grosses marques aussi. Moi, j'étais déjà pris à têche le chat, tu vois, déjà le chat, il est venu, etc. Et le lendemain,
ça, peut-être oui. Sans rien, le chat n'était pas de côté. Il avait plus de vache pas bougé, il me sautait dessus, il m'a mordu jusqu'au sang. Et la marque, elle est restée plus de 2 semaines. Hein. C'était vraiment une grosse attaque.